I think the girls with their nails done wrong. Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 sur The Last of Us partie 2. Je m'étais arrêté ici après un épisode très 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 compliqué. Totalement perdu ce Thomas durant cet épisode 15. C'est assez un vacarme et du coup... doucement la porte Ellie s'il te plaît. Et du coup on est parti pour cet épisode 16. Et là je suis pas serein du tout. Ok, tu viens te refermer. Ah ok, donc il y a ça. Bah non mais il n'y a pas le truc qui revient. Comment une porte peut se fermer tout seul alors qu'il n'y a pas le truc qui va avec? Oh, ça pue là-dedans. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas du tout. Bon, attention hein. L'épisode horrible, c'est maintenant. Et vraiment tu. On est dans quelle sorte d'endroit exactement? Pas encore le coup des toilettes s'il vous plaît. Non mais. Ah mon dieu, ok, bon, il y a une solution à ça. Bon, c'était une bonne solution, mais par contre, s'il y a un zombie qui apparaît maintenant, ça n'a aucune logique. Putain de Wolf, tu l'as bien chargé. J'ai peur, je suis pas serein. C'est plus terrifiant que Resident Evil. Non. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Putain. J'ai eu peur. Attends, pas en panne maintenant la manette, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Oh, un nouveau type de zombie, hein. Qui court à quatre pattes. Je suis pas serein. Oh merde. Ça craint. Ça craint vraiment, ouais. Il rigole pas, ce type. Comment on change de direction? Croix. Ah, ça est carré. Depuis le début du jeu, je cherchais cette commande. Ah, je regarde quand même le plafond parce que... Ah, excellent. Nice. Bon, on est parti pour l'attaque. 3, 2, 1, c'est parti. C'est pas que des rôdeurs. J'ai l'impression qu'ils ont peur. Les zombies qui ont peur, sérieusement. Merde. Comment je retourne dehors? Ils ont peur de la lumière, j'ai l'impression. Non mais, il y a tellement de bruit. Ah, il a été shooté dans la poubelle.
L'horreur, bonjour. Je viens en paix. Laissez-moi tranquille. Non mais... Tu les entends, on les entend les petits malins là. Ok, donc ils t'attendent dans un coin. Saloperie. Alors je dis pas c'est le monde de rayon d'écoute, mais je trouve pas important. Ah oui, vous êtes comme ça, venir un par un. Allez, qui veut sa petite balle de pompe? Personne? Tout le monde est content? C'est bon? Regarde lui là-bas. Oh oui, je t'ai pas vu ta tête, toi, maintenant dans le coin, là. On a pas mal de bouteilles. Voilà. Ah, c'est pas bon ça. En plus, ils font masse de dégâts. Hein. Il y en a un qui t'attaque, tu perds moitié de ta vie. Hein. Donc, tu te fais attaquer encore une fois, bah t'es mort. Bon, du coup, l'arc. Il servait pas à grand chose. On va revenir un peu en arrière. Trouver quelques éléments. Alors les balles de pompe. Effectivement, avec sa puissance. J'aurais peut-être dû le garder pour les sortes de puants et peut-être les colosses. Mais là actuellement, me tous les faire à main nue. C'était possible, hein. Et vu que je connaissais pas trop l'ennemi, et c'est le genre de d'infecté qui se cachait un peu comme dans le premier. Ils attendent en guet-apens. Je pense qu'il n'y en a plus. Ils n'ont finalement pas peur de la lumière, mais ils attendent tranquillement. Voilà l'hôpital. Direction l'hôpital. Alors, on pourrait sauter d'ici. Ben, on est obligé de sauter d'ici. Allez, c'est parti. Ellie, cours, cours, cours. Vache. Oula, ça fait une sacrée chute. Je voulais y aller oula, directement, mais on va voir ce qu'il y a peut-être en haut. Rien du tout. Ok. C'est un sacré bordel ici. C'est une blague. Faut que je rejoigne la rue. Clac,
claqueurs. Quand tu me tiens. Ah, par contre, il y a les claqueurs et tout le reste qui va avec. Alors, bonne de pompe. Excellent. Si je traverse ici. Alors. Il te repère assez facilement. Hein. Il était assez agité comme comme claqueur. Plus tu fuis. Ok, guet-apens. Ok. Ils sont tenaces. Ces ennemis sont tenaces. Faut que je me bouge. Faire discret, c'est pas évident. Surtout qu'il y a des ennemis. Assez virulents et qui sont bien plus résistants que des ennemis que des coureurs. Ouais. Bon. Je pense qu'il y a peut-être pire. C'est parti. Dépêche, dépêche. On va tomber dans l'eau. Ah, il est sérieux lui? En plus. Lâche-moi, tu sais pas nager. Voilà. Oust. Allez, raccroche-toi quelque chose. Allez. Je déteste Seattle. Ah ben, heureusement que le sac t'a protégé parce que là, le coup de la barre dans le dos. Ça aurait fait mal. Ok. Wow. Ok, les zombies donc. Les infectés sont quand même assez coriaces. Hein. Alors j'imagine que la suite est là-bas. Je vais faire un petit check-up par là. Explorons un peu. Il pleuvait des zombies du toit. C'était quand même assez incroyable. J'imagine le coup de l'échelle qui casse et t'es obligé de passer par là. Alors tu m'emmènes ici pour faire quoi justement? Rien. Ça n'a aucune utilité de faire ça? Ok. Tu fais ça pour le plaisir. Bon. J'ai hâte de sortir de ce trou. Si tu veux.
Et là, on a attendu. Attends, mais on est où là? Dans un bâtiment. Ok. Où est-ce que j'ai atterri? Devant un métro. Encore une fois. Ok. Vous êtes ici et l'hôpital est là. Je vais traverser le parc. Même si ça me semble pas être une bonne idée. On va rester vigilant parce que j'ai l'impression que la dame nature a repris ses droits. Ah, au secours! Il y a une araignée qui monte au-dessus de ma télé. Ah, qu'est-ce que je fais? Je la laisse ou je la tue? Je vais la tuer, malheureusement. Attendez, attendez, je tue l'araignée parce que j'aime pas les araignées. J'ai pas peur, mais j'aime pas. Donc celle-ci est assez grosse. Désolé pour l'interruption spéciale, en ce moment c'est un peu trop ça. Oh non, oh, en plus c'est une belle noire, magnifique. Oh, en plus je l'ai fait tomber derrière la télé. Ok. J'ai pas réussi à la tuer, je l'ai fait tomber derrière la télé. N'importe quoi. N'importe quoi. Pas que je m'étouffe. Alors, désolé pour l'interruption. Bon, une petite araignée. J'ai entendu quelqu'un siffler. J'aime pas trop ça. Le fusil à pompe ne servira à rien. Et du coup... Ça sent la mouise. Non mais tu peux pas savoir ce qu'il y a. S'ils mettent des pièges là, explosifs. Bon, quelqu'un qui est... Ah, ça m'a fait peur, je m'en doutais. Deux fois que je me fais voir. On dirait, c'est trop inspiré de Negan avec les sifflements. Bon, il y a les herbes hautes, on peut. Je vois rien. J'ai réussi à l'avoir à travers la végétation. Ok, c'était tendu. Donc c'est l'escar. Ils sont partout. Ok, donc ça s'énerve. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut se décaler pendant qu'on fait ça. Bon, une flèche. C'est pas mal. Je pense qu'on a très bien géré cette séquence.
Du coup, on récupère ça. Merci. Les flèches ont fait le taf. Alors, malheureusement, il va falloir fouiller les corps. Est-ce qu'on n'y a plus personne ou bon? Petit check-up. Non. Aucune flèche à récupérer sur ce corps. J'adore cette phase d'infiltration. Ils sont pas encore tout seuls, hein. Petit check-up, 360 degrés, personne. Il y en a un qui est là-bas. Ça veut dire qu'on peut récupérer aucune flèche là? J'ai plus de flèches. Donc là maintenant. Oh bordel. Sûrement des scars. Peu importe. L'hôpital. Attendez, j'ai tiré. J'espère que vous avez pas pendu Nora. Ouais. J'espère que. On nous a dit qu'on récupérait des flèches. Mais d'ailleurs, récupérer une sur les 6, ça fait un très très peu de chances d'en récupérer une. Ouais, ça a tous tué là, hein. J'imagine que. C'est pas plus mal. Je vais mettre le silencieux. Que ça tournerait mal. Et je vais inverser les armes comme tout à l'heure. Voilà. Mission infiltration, me voilà, on a l'impression d'avoir une nouvelle arme. Non. Bon, j'imagine qu'il n'y a plus personne. Ok, voilà la route qui mène à l'hôpital. Ça s'appelle des scars. Qu'est-ce qu'il y arrivait à lui alors que je l'ai même pas tué? Alors. Je crois que c'est là. Rien à foutre d'Escar, je dois rester concentré sur mon objectif. Bah, de toute façon, il est mort donc. Je suis sûr qu'on peut faire un pacte avec eux et je pense qu'on a peut-être le même ennemi en commun. Du coup. Ou si on tombe sur HF, j'imagine qu'on va se faire capturer de toute façon, vu comment on s'est fait avoir par une simple flèche. Okay. Alors si ça a été fermé, c'est qu'il y a peut-être des choses intéressantes. Alors vous me donnez beaucoup de balles. Je m'attendais à ce que vous me donniez au moins des flèches. Hop, les distributeurs, on connaît maintenant. L'ambiance est terrible. Alors, un tiroir par là. Rien dedans. De l'alcool, un chiffon, une petite balle de pistolet, le heli. Je crois que le jeu avait planté. T'es pas loin du drame. Bon, on peut sortir par là, peut-être la suite. Ah, un chiffon.
Ouais, les flèches vont vraiment être un rôle essentiel là-dedans. On va essayer d'en crafter le plus possible. Doppelganger. Ah, on dirait un gollum. Bon, il n'y a pas trop de choix avec une porte. Tant mieux dessus. Et tant mieux. Alors, est-ce qu'il faut descendre ou monter? On va déjà monter, voir s'il n'y a pas quelque chose en haut. Pilule, cool. Alors, c'est qui a trouvé ce mot? Ma femme Paige m'attend dans l'ancien centre. Merde. Conférence. Merde, ça craint. De pique et convention en face d'une pub. S'il vous plaît, donnez-lui ce des médicaments. Elle est enceinte et sans ça, elle risque de mourir. Il croit que je pourrais la rejoindre, mais j'ai perdu trop de sang. Je courais à travers les bois. J'ai entendu des sifflements et j'ai pris une flèche dans les côtes. Je me suis caché ici. Je pense que je suis à l'abri. Je vois pas ce qui pourrait m'arriver de pire. Je commence à avoir froid. Mauvaise blague, désolé. Demandez-lui, j'ai un humour de merde. Si vous voyez pas, dites-lui que je suis parti en paix. Simon Vickers, ok. Désolé. J'en aurais plus besoin que toi. Ouais. Voilà, c'est des petites anecdotes sympas que je trouve que pas mal de personnes oublient de lire. Alors ça peut être assez saoulant, mais ça nous apprend quand même des choses intéressantes pour le coup. Et voilà, si on pense pas à monter et qu'on fait le foufou ou qu'on saute directement, bah malheureusement, on loupe ça. Non, te mets pas par terre, t'as pas besoin d'être comme ça, Ellie. Allez! Cellule de crise, Fedra. Je devrais pouvoir passer. Ouais, ça pue. Est-ce qu'on peut le sauver? Ça risque pas. Il est libre à présent. Il est libre à présent. Cherchez les vagabonds. Puissent-elles nous quitter? Ah, bonjour. Oh merde, sérieusement. C'est pas un autre chemin à prendre? C'est vraiment honteux. Mais ça ne m'étonne pas plus que ça. Puis ça me surprend de la part de sa sœur. Je plains leur mère. Elle aurait dû sentir qu'il y avait un truc bizarre. Non, mais sérieusement, allez-vous-en. Par quelle horreur ils arrivent à nous voir de là. C'est compliqué de les tuer. Voilà le travail. Ok. Plus c'était moyenne. Sérieusement, donnez-moi des flèches. Alors, personne aux alentours, mais... Sérieusement, des flèches quoi.
Parce que si je dois les saisir un par un, je suis pas sorti de l'auberge, moi. Ok. Ok, toi je t'ai vu. Alors, ils ont l'air d'être pas plus nombreux que ça. Il y en a deux là-bas. Puisse-t-elle te guider, ouais, bien sûr. Alors, malheureusement, pas de flèche. D'accord, c'est cette séquence-là que je voyais. C'est pas vrai. Non, mais je suis pas caché ici. Elle se retourne. Elle se retourne. L'autre aussi. Et merde. Il y en a un au-dessus. Personne derrière. Passe par là. Ok. La tension est à son comble. Je. Ouh. Bon. J'ai encore pendu quelqu'un. Est-ce qu'il n'y aurait pas du stuff à récupérer sur cette personne? Non. Ah. Alors on peut passer par là. Ça nous permet de passer un étage plus haut. Et du coup on évite les ennemis. Il y a quand même un bâtiment là-bas. Hein. C'était moyen, hein. D'où est-ce qu'il surveille? Impossible qu'il surveille de là-haut. Eux, ils font la ronde là-bas, ça c'est sûr. Je vais voir si c'est quelque chose dans ce bâtiment, parce que... C'est même pas un bâtiment. J'ai cru que je pourrais aller explorer ici, mais non. Ils font une ronde qui ne sert pas à grand chose. Ok, ils se séparent. Ils sont très attentifs, hein. Emasmé, regarde partout. Elle doit pas être bien loin. Quoi? Austin! Ça venait de là, derrière! Où elle est passée? Elle se cache dans les environs. T'es vraiment moche, tu le sais, ça? Du coup, on avertit toute la galerie. J'aurais pas fait le con. Enfin, le con.
façon de parler, hein, je pouvais pas vraiment savoir qu'il nous repérait aussi rapidement. Voilà, bonne nuit. Good night. Bonne nuit les petits. Bon, il me restait encore une balle de silencieux. Une que j'ai loupée. Où est-ce qu'il est mort lui tout à l'heure? Je sais pas. À vrai dire, je sais pas trop quoi faire. Tu m'as pas vu, genre, d'ailleurs. Ça fait un peu peur, hein. J'ai pris mon temps parce que là-dessus, ça peut très vite dégénérer. Allez, on passe à l'étage. Est-ce que je reste à la partie du bas ou je monte? D'avoir personne en bas. Toi, je t'ai vu. Enemy down, enemy down. Ok, let's go. Tu m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Ah, t'as raison, fais demi-tour. Good boy, good boy. Good girl. You see nothing. Nothing important. Rien du tout. Ah, c'est sûr que tu vois plus grand chose maintenant. Maintenant que t'as fait ça. Il y a combien d'étages sur cette punaise de parking? Alors, la concentration est terminée maintenant. Est-ce qu'il y a-t-il de quelque chose d'important quelque part? Non. Donc, je vais aller voir là. C'est pas quelque chose à récupérer. C'est pas ce que je voulais, ça non plus. Comment les traquer, mais du coup on en était ici. Ok, lui il est là-bas, je l'ai vu.
Il m'a pas vu? De quoi? Le gars est passé en soupçon, il m'a pas vu? Arthur, qu'est-ce que c'est? Visiblement, on a fait preuve d'intelligence. Ils sont là, quelque part. On va les libérer. Sur le camion, évite. Sous le camion et vite. Tu m'embêtes. Oui, d'accord. Ok. Faut pas qu'elle s'échappe. Ah, on peut pas toujours être silencieux. J'ai l'impression que c'était un peu scripté, hein. Putain. C'est fini. Je pense. Tommy, j'espère que tu t'en sors mieux que moi. Ah, on a essayé d'être silencieux, hein, mais le fait d'aller sous le camion, c'était scripté, j'ai l'impression. Et il y a les corps qui disparaissent. Je ne sais pas. Effectivement, on pouvait faire tout ça silencieusement. Aïe, ça pique. C'est quoi cette mort? Bon, je me suis fait avoir. On recommence. C'était pas censé se passer comme ça, mais bon. Oh, je pense peut ne pas être le seul à me faire avoir sur ce trou. Mais c'est un sacré bordel en fait. Ok. Let's go. Merci. Bah de rien. De rien, de rien. Y'a aucun problème. Merci à toi. Ok. Ah super. Alors toi t'es un peu costaud. Ok. Ouais, faut se barrer. Faut se barrer. Tu m'as vu? Ok.
Oh, dans la tête. Tiens, prends ça. Et tu manges. Putain de merde. C'est fini cette fois-ci. L'hôpital. Parce qu'à part me faire déchirer un H24, voilà quoi. Ça devient pénible. Hein. Ces scarabs portent bien leur nom. Et du coup, comment tu pouvais faire ça silencieusement? Comment tu pouvais faire ça silencieusement? Parce que tu mets même de la fougère ici. Et du coup, c'est pas merci, hein. C'est... là. C'était juste là, hein, en train d'attendre. Voilà, on évite d'utiliser des kits de soins. On les a refait en plus. Tant mieux. Et on est parti par cette porte. En tout cas, quelle aventure, hein. Sacré choc au départ. Là, il commence à être de plus en plus surpris. Les scars qui ont l'air assez redoutables. Des balles de magnum, on prend avec plaisir. Alors, on peut passer par là. On peut monter par rapport à la lumière. Rien ici, ok. Un petit ruban. Ah, il y avait de l'huile. Un ruban. Rien du tout. Encore de l'alcool. Pourquoi j'ai dit de l'huile tout à l'heure? Totalement débile. Rip. Des ciseaux. Ah, on a pu faire des flèches. Bon, pas grave. Oh, on est juste à côté de l'hôpital. T'as intérêt à être là, Nora. Je l'espère. Un grand bâtiment comme ça, avec un toit. Non, ça peut pas être comme ça. Eh bien, je propose qu'on s'arrête ici, les amis. On est juste devant l'hôpital, qui est là-bas. En tout cas, on a pas mal avancé. On a été plutôt discret sur la première phase. La deuxième, un peu plus compliquée. Part du camion avec le gars qui passe comme par hasard en dessous. Ce qui était assez logique, mais je me suis fait avoir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, commenter et activer la cloche pour la suite des aventures. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao!